Tous les lundis, 21h-23h. C'est Eurofoot avec Bilal Nedman et son équipe en direct sur Radio VL. C'est vrai qu'il manque un ou deux joueurs qui animeraient offensivement. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça dépend si Benzema n'est pas là. Ouais, là réaction, Emmanuel. Moi, je pense, et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, on souffre d'un déficit justement de joueurs de couloir depuis le retrait de Ribéry. Entre autres, on n'a plus de joueurs capables justement de faire la différence. Et quand on voit la dominance justement, la domination de certains clubs sur la scène européenne, voire en termes de nation, on a besoin d'avoir des joueurs de couloir qui sont capables justement de venir porter le danger, balle au pied, de provoquer des 1 contre 1, de créer des brèches sur les côtés, là où il y a moins justement de couverture défensive. Donc on a à l'heure actuelle des joueurs qui montrent des qualités comme Coman par exemple, ou même, tu l'as dit, Martial. Donc je pense que... Il reste quand même 6 mois. La saison reste encore d'être longue. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés. Il se pourrait aussi que des joueurs aujourd'hui qui pointent leur nez prennent davantage de poids. Donc ça peut aussi redistribuer certaines cartes. Coman, je trouve qu'il est en train de franchir un palier avec le Bayern de Munich. Il joue de plus en plus. Et quand il joue, je le trouve vraiment bon avec le Bayern. Il fait preuve vraiment d'une insouciance par son âge. Je trouve que c'est aussi rafraîchissant parce qu'on a besoin aussi d'avoir des joueurs qui jouent de façon spontanée en équipe de France et moins sur le côté prévisible. Et ça aussi, c'est comme le sont des ailiers qui peuvent être Neymar, Robben, compagnie, tous ces joueurs-là qui sont capables de faire la différence. On a besoin d'avoir ce genre de joueurs à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes joueurs qui montrent ce potentiel. Donc, est-ce qu'ils seront... dans les petits papiers dits d'échange, je l'espère sincèrement, parce qu'il y a un déficit à ce niveau-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Radio VL. Enfin une radio qui vous donne la parole.